fond causé, c'est Fondation Collées Épaules. Et Fondation Collées Épaules était fondée dans l'année 1994 par Père Joseph Philippe, qui c'est un père spiritain qui sortit dans la zone Fondois, dans l'ouest, dans la commune Léogane. Et lui-même, avec un groupe leader communautaire, il a été fondé, font causer essentiellement pour aider les gens dans la zone rurale, surtout les gens qui organisent, pour aider à créer richesse. Petit-petit, ils font causer vin grandi, et puis Jodia font causer ces trois organisations qui sont légalement indépendantes, mais qui, tant qu'on famille, ils travaillent avec l'autre, et ils ont tous ensemble la même mission. Qui c'est bail haïtien, surtout famille, services financiers avec services qui pas financiers pour être capable de retirer tête dans la pauvreté. Là, il faut causer ces trois organisations. Ça. Trois organisations. Et c'est plus clair à expliquer. Non? C'est ça. Donc, je dis, dans le pays d'Haïti, il y a deux fonds causés. Il y a un service financier fonds causés, qui c'est la plus grosse institution microfinance dans le pays. Li gagné plus passé 200 000 clients l'a servi à travers produits crédit, épargne, transfert, accès à payroll, bah comme ça li gagné 45 branches tout partout dans le pays mais surtout dans la province. Font causer presque pas travail dans zone métropolitaine. D'accord, ça c'est premier membre familial, c'est service financier font causer. Deuxième nan, c'est Fondation, hein, ça nous est des fondations. Hein. Florence, moi-même, c'est pour fondation, hein, nous travaille. Et fondation, lui-même, lui bail service non financier qui a aidé clients, font causer yo, joignons du plus, puis bien gérer la vie économique et sociale, yo, améliorer qualité la vie. Yo. Et puis nous avons troisième font causer qui c'est Tisseur, nous, hein, souvenez, lui-même, lui basé Washington, aux États-Unis. Et yo même yo ban nous support, yo ban nous support financier avec support technique là yo capable. Donc ou ça dit, ou expliquer une fois causer pas travail dans région métropolitaine, qui bon dans combien départements nous y est là. Nous dans tout 10 départements. Vraiment projet action lui-même t'est touché moi 143 communes dans pays. Donc service financier font causer lui-même à travers 45 branches lio. Il y a deux branches dans la zone métropolitaine, tout l'autre, partout dans le pays, dans le nord, sud, tout le département. Au fait, ça a eu sa idée fait pour nous, c'est qu'elle a aidé nous à gagner boutique santé. Là, nous avons gagné boutique santé depuis 2012. En 2016, là, nous avons appliqué pour le programme Action, nous avons gagné dans 18 branches. Grâce à l'appui USAID, nous gagné boutique santé dans 38 branches Kounia et nous augmenté quantité mesdames qui travaillent avec nous, quantité chez nous reléo, sorti 300 et quelque chose pour arriver presque 1000 jodia. Ouais, donc vraiment appui USAID, hein, les vins monté sur un programme qui était déjà là mais il aider nous faire pi gros et pi jam et puis qu'on y a un projet action fini mais boutique santé a continué dans 38 régions yo n'a continué rendre produits importants yo disponibles dans zone yo bay mesdames yo formation bay yo outils pour yo bay formation bay l'autre monde dans centre crédit yo et puis nous n'a testé l'autre l'idée ouais par exemple bah connais si vous connais mais en pile moun en Haïti y a un gros problème grand moun yo en Haïti c'est moun qui fait tension en pile moun fait tension sans yo pas même connais et le comme ça yo ka kokobé parce que yo font trop ouais donc nous commencé travail avec des mesdames des tché qui étaient dans programme action et qui kounya apprendre mesurer tension pour moun pour un petit coup, pour un 10 gouttes ou 25 gouttes, yo aide au monde mesurer tension et yo apprendre qui gens yo ka reconnaître au monde qui fait tension trop haut importance moun sa gagne pour aller dans un centre santé. Et moi t'a dit c'est une opportunité nous joindre de deux façons. De un USAID ban nous moyens
fè santé vle fè a, et gaye le pi plus, ça son premier bagay. Mais en plus, tout USAID, ban nou, yo ban nou accès à une bonne formation. Parce que bon, ou konnen parfois ou son organisation locale. Honnêtement, nous te onti jan pintade, est-ce que n'ap ka gérer un gros kob kon sa vraiment, est-ce que n'ap ka respecter toute règle qui gagne dans USAID. Et vraiment, USAID ban nou accès à formation, accompagnement pour nous justement apprendre toute règle yo, pour nous apprendre respecter qui gens ont besoin acheter bagay, qui gens ont ka dépenser kob, qui gens ont pas ka dépenser kob, bay yo strict en pile. Oui. Donc vraiment, yo te ban nou un bon coup de main nan renforcer capacité nous-mêmes en tant qu'organisation locale là tout. Donc ça c'était un gros du plus. Bon, on a besoin de 5 ans qui genre on a enveloppe USAID ban nou pour réaliser projet ça combien comme ça coûté? C'était total cobla c'était 14 millions de dollars. Et USAID dit zami nou yo nan USAID dit nous c'est première fois yo bay une organisation locale un gros cob comme ça. Et yo content résultat nous dépasser ça nous te dit nous t'a fait hein? Mais tout parce que chaque année nous gon audit qui vient vérifier est-ce que nous dépenser cob là comme ça doit selon règle et audit là. Bon, chaque année, nous avons des bagailles nous devons améliorer, mais nous n'avons jamais joint aucun bagaille qui était un gros problème. Donc, nous sommes fiers de résultats nous atteignons avec Action, vraiment. Action, c'est vraiment un projet qui est exécuté par parti Fondation Fonkoze. Ça veut dire et institution Fonkoze qui bail service non financier dans la zone rurale. Son projet qui fait fini, qui était duré 5 ans, de 2016 à 2021, et qui était financé essentiellement par USAID. Donc, Fondation Fonkoze a gagné un projet ça après un processus compétitif, côté que nous-mêmes, nous très fiers de dire que comme institution locale, c'était nous seule institution locale qui était dans la compétition, qui était venue gagner et pour contrat pour nous exécuter projet action. Projet action son projet qui était fait pour diminuer malnutrition dans le pays d'Haïti, surtout pour ti moun qui pipiti passé 5 ans, mais tout pour femmes enceintes avec femmes nourrices. OK? Et qui je nous t'a fait diminuer et malnutrition ça, c'est en identifiant, ça veut dire nous t'a cherché joindre tout ti moun qui souffre malnutrition dans zone côté n'ap travayo qui tankou Karine di c'est vraiment zone rurale zone isolée c'est pas dans des grands concentrations urbaines identifier tout ti moun sa yo et chaque fois nous identifier des ti moun avec malnutrition que nous ta référé yo dans réseau prise en charge contre la malnutrition qui existait dans pays d'Haïti. Et pour ça, nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Santé publique, là, que c'est eux-mêmes qui ont une stratégie nationale pour lutter contre la malnutrition. Et assurez-nous que tout le monde joue traitement. Et que les familles jouent information, jouent éducation pour que le monde ne pas retomber dans la malnutrition après. Ça veut dire information sur nutrition, information sur hygiène, information sur plusieurs gens qui ont alimenté Timoun Piti. Donc ça, c'était le premier axe dans le projet Action. Deux qui étaient sous Timoun malade. Quand nous avons un deuxième axe qui est sous prévention, qui est dans le projet Action. Et puis, gros partie dans le deuxième axe, c'est éducation. Donc, éducation dans la communauté, sous nutrition, sous comment yo sevrer les gens, parce que nous jouons que c'est les gens qui sont en phase sevrage, là. Ça veut dire qu'ils ont quitté tété pour passer dans l'alimentation habituelle famille. C'est dans le moment ça que y a plus de gens qui tombent dans la malnutrition. Donc, travail avec éduquer et parents pour
pour connaître qui gens pour yo passer ti moun sa yo graduellement dans alimentation famille et tout nous te gain des activités par exemple de distribution de vitamines, de distribution de vermifuges pour ti moun tout de moins de 5 ans pour femme prénatale avec femme nourrice et puis tout inciter et famille vulnérable pour yo ta rentrer si yo rempli critères qui nécessaire yo nan crédit pour yo gain plus activité économique. Donc oh. C'est en gros c'est ça que nous te fait dans projet action. Oh. Nous travaillons tout côté, c'est ça qui puis belle partie dans projet. Hein. Nous travaillons tout côté et nous même nous ka dit mais qui côté côté n'a travaillé mais qui côté nous jeune plus malnutrition bien que nous te déjà connaît à travers études santé publique fait que ce soit dans EMUS, que ce soit dans on l'autre étude sur malnutrition qui est les SMART, nous te déjà connaît dans qui zone et nous déjà tout le monde dans pays a déjà connaît que c'est surtout dans nord-ouest nous gain plus malnutrition en général avec un peu dans l'Artibonite mais nous te vinn joine l'autre zone qui te gain en pile malnutrition côté nous te vraiment insister pour nous commencer travail mais en général c'est pas seulement pour intensité malnutrition en zone mais réseau font causer en chita dans tout pays en travail avec un réseau communautaire qui c'est réseau font causer en qui sont réseau femme jam qui c'est des chefs de centre de crédit ça veut dire c'est des mesdames qui déjà recevoir crédit dans institution service financier font causer en que Karine fait parler de lien et c'est des chefs centre ça veut dire dans groupe crédit que yo appartient yo même yo élu comme chef centre ça veut dire c'est eux même qui fait interface là entre font causer et groupe mesdames qui prend crédit hein, qui c'est en général des groupes entre 20 et 40 femmes donc chef centre crédit ça c'est avec yo nous travaillons yo t'es là déjà yo t'es déjà reconnu par l'autre mesdames qui dans groupe yo kokou des femmes jam et nous choisi travailler avec yo pour yo accompagner nous dans travail nous dans communauté hein. Mesdames ça yo prend formation yo prend éducation et qu'on y a dans la communauté au côté yo réaliser des campagnes de dépistage ça veut dire avec mégaphone yo en porte à porte yo rentrer dans communauté yo annoncer que yo ta vle ouais tout si monde de moins de 5 ans toute femme enceinte toute femme nourrice pour yo faire séance dépistage séance distribution vitamines et donc c'est à travers des campagnes au niveau des communautés qui géré par mesdames Sayo, femme Jam Sayo que nous même nous relaye, OK? C'est comme ça que nous fait campagne dépistage et c'est mesdames Sayo tout qui fait éducation, qui fait distribution et qui fait majorité de activités communautaires que projet action entreprend. Ça veut dire si nous dans projet action, c'était femme enceinte avec petit monde moins de 5 ans, était ça? Mm-hmm. Femme enceinte nourrice et puis petit monde de moins de 5 ans. Bien que pour contenu éducation, c'est pour toute communauté. Ok. Mm-hmm. Maintenant, 5 ans après, qui gens nous ouais projet A qui finit, comment nous ouais m'a dit impact lié c'est ça vraiment de oui impact projet et action dans la communauté. Bon résultat, nous très contents de résultat, on m'a dit ça. Et l'autre semaine passée, ou il y a deux semaines de ça, nous présentions au ministère de la Santé publique, au comité technique, là, qui était très content, parce qu'en fait, nous vraiment réalisé tout ça, nous avons décidé de nous réaliser. Ça veut dire que nous arrivons dans 38 branches font causer, okay, sous 45 branches qui sont dans le réseau service financier. Installer projet, hein, faire dépistage Timoun, nous dépister plus de 100 000 Timoun. Chaque année et parmi ti moun sa yo tout ti moun que nous joignons avec malnutrition qui autour de 3% plus ou moins malnutrition aiguë bien entendu nous réussi référer yo dans centre de prise en charge yo et dans tout ti moun que nous joignons avec malnutrition yo gen 84% que nous réussi guérir et leur nous dit un ti moun qui guérit de malnutrition aiguë c'est pratiquement un ti moun que nous sauver la ville. Parce que un pile moun pa konnen mais malnutrition sont maladies qui ka causer la mort et d'ailleurs li
relationné avec le monde Timoun, ça c'est reconnu internationalement. Timoun de moins de 5 ans, moitié dans cause de la mort liée avec malnutrition.